Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez assister au départ de la course la plus incroyable qui soit. Les 10 équipes de concurrents vont venir me rejoindre sur la ligne de départ. Ces concurrents savent qu'ils vont partir pour un long voyage, mais ils ne savent ni où, ni comment. Autant vous dire qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Bienvenue dans Pékin Express. Ce soir, pour la première fois, 10 équipes de candidats se lancent dans la course la plus folle jamais organisée à la télévision. Ils sont mariés ou amis, en couple ou en famille, ils s'apprêtent à suivre la route du Transsibérien et à rallier Paris à Pékin. Deux par deux, ils marchent vers l'Est, de Saint-Pétersbourg à Moscou, de l'Oural à la Sibérie, des steppes de Mongolie jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Mais pour parcourir ces 10 000 km, ils n'ont qu'1 euro par jour et par personne, qui leur servira à se nourrir et à demander le gîte et le couvert aux habitants. Et ils devront faire du stop pour se déplacer. Pour avancer, ils ne peuvent compter que sur eux et sur les personnes qu'ils vont rencontrer. 10 000 km, 45 jours de course, 1 euro par jour, 10 équipes à Paris, mais une seule équipe gagnante à Pékin. Et au bout de l'aventure, 50 000 euros à gagner. Bienvenue dans Pékin Express. Lundi 29 août, c'est au pied de la Tour Eiffel qu'ont rendez-vous les 10 équipes de candidats qui vont vivre l'aventure de Pékin Express. Elles se rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Elles ont accepté de partir en voyage sans rien savoir de l'aventure, ni de leurs concurrents, de leur destination ou des règles de la course. Elles se présentent ce matin au départ sans téléphone portable ni carte de crédit. La première équipe qui arrive est celle formée par Patrick et son fils Christophe. Partager une aventure, c'est un peu pour eux rattraper le temps perdu. Christophe est tatoueur. Son père, Patrick, maintenant retraité, a une passion, la magie. Je vais sur cette aventure pour participer avec mon père, pour avoir quelque chose de nouveau avec mon père, pour nous rapprocher encore. Je lâcherai jamais le morceau. Mon fils, c'est la même chose. Donc si on est battu, on sera battu par meilleur. Juste derrière eux, la seule équipe 100% féminine, Nina et Daisy. Nina et Daisy sont colocataires. Je m'appelle Nina, j'ai 22 ans, donc je fais des études d'assistanat dentaire. Je m'appelle Daisy, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école d'art dramatique. Ma mère est russe en fait. Je suis franco-brésilienne-algérienne. Et mon père est camerounais. Les faiblesses de nos binômes, c'est la mauvaise organisation, on n'est pas organisé. Ouais, on est tout le temps en retard. Des retardataires. On n'arrive pas à se repérer, on se repère difficilement. Derrière les Benjamins de l'aventure arrivent François et Dalila. Ce couple au fort tempérament, vendeur sur les marchés, est bien décidé à gagner la course. Ce qui me motive dans cette aventure, aujourd'hui, c'est de décrocher le pactole, gagner de l'argent. Ça serait le tremplin pour une autre activité, quoi, autre chose. Cette aventure est aussi pour eux l'occasion de voyager pour la première fois hors de France. La quatrième équipe, c'est celle de Nancy et Nicolas. Nancy a 22 ans, elle est étudiante en sport. C'est d'ailleurs durant ses études qu'elle a rencontré Nicolas, devenu aujourd'hui pompier professionnel. Ils viennent d'acheter leur maison et sont en plein travaux pour se construire un nid douillet et abriter leur amour. Ces deux-là s'aiment depuis 5 ans. Qui a gagné le jeu pour faire un mariage? Pour faire un beau mariage. Paul et Louis s'avancent sur le champ de Mars. C'est en famille qu'ils vont vivre l'aventure. On va être les doyens de l'affaire. Ah bah ça sera m'étonnerait qu'il y ait des plus vieux que nous. Ça sera les papilles de l'émission, je pense. À 65 et 64 ans, ces deux frères originaires de Corté, en Corse, sont fiers l'un de l'autre et fiers de leur île. Arrivée de la sixième équipe, Carolina et Stéphane, jeune couple BCBG. Stéphane est professeur de golf et ils vivent à Saint-Tropez. Plus habitués au luxe qu'aux rigueurs budgétaires, ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Ils ont même fabriqué un t-shirt spécialement pour l'occasion. Donc il m'aime, ça c'est sûr. Il aime notre chien, ça j'en suis certaine. Il aime la first class, ça oui. J'aime mon chien. J'aime le luxe. Bah, si je me perds, s'il vous plaît, ramenez-moi dans le centre de shopping le plus proche. On sait jamais. Centre de shopping de luxe, le plus proche. Après Carolina et Stéphane, arrivent Emmanuel et Steve, deux amis aujourd'hui célibataires. Je n'ai aucune stratégie, je pars comme si je partais faire un pique-nique. Je suis dans le flou plus total. Je ne sais pas où nous partons, mais je pense qu'on va apprendre énormément sur nous. Ancien mannequin et peintre à 16 heures, Emmanuel est une cavalière émérite. Steve, lui, est sportif, un peu dandy, et employé de casino à Monaco. Amis fidèles depuis 15 ans, c'est la première fois qu'ils sont célibataires en même temps. Peut-être que cette aventure va les rapprocher un peu plus encore. Derrière eux s'avancent deux nouveaux concurrents, Fatih et Mehdi. Ils ont une philosophie, la vie est une fête. On part vraiment pour le goût de l'aventure. On a envie de vivre quelque chose qui est unique et qu'on ne vit pas tous les jours. Les deux garçons célibataires de l'aventure sont sportifs, frimeurs, beaux parleurs, passionnément dragueurs et surtout inséparables. Tu sais que t'es beau. Mais attention, ces charmeurs ont aussi le sens de la compétition. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner.
Les autres, ils feront leur vie, mais nous, on va essayer de gagner. Parce qu'on est venus pour gagner. Ernest et Odile arrivent main dans la main. Ils sont en couple depuis 12 ans et travaillent ensemble dans la même entreprise. Mais famille recomposée oblige, ils font maison séparée. C'est vrai que dès qu'on peut s'évader, on part tous les deux en week-end, on part en vacances. On se voit que pour le plaisir, quoi, pour le plaisir d'être ensemble, quoi. Pour Ernest et Odile, ce voyage est l'occasion de prendre du temps rien qu'à deux. Odile veut profiter de l'expérience, mais pour Ernest, c'est la compétition avant tout. Le truc, c'est de participer, de faire quelque chose. Alors que Ernest, non, lui, c'est participer, mais c'est surtout gagner. On va pas gagner, mais être au moins le numéro un. Arrive enfin la dixième et dernière équipe, Christophe et Pascal. Ils sont amis et travaillent comme barmen à Paris. Ils aiment la fête et la vie la nuit. Absolument pas baroudeur. Avec cette aventure, ils se lancent un défi. Moi, je pense que ça va nous rapprocher un petit peu. Et puis, voir si la relation qu'on a, en fait, d'amitié, est vraiment sincère. Toutes les équipes sont en place. C'est maintenant le moment de leur dévoiler les détails de l'aventure. Pour l'instant, elles ne savent rien. Et dans quelques secondes, il sera toujours temps de déclarer forfait. Bienvenue à tous, bienvenue sous la tour Eiffel, qui symbolise le départ de l'extraordinaire aventure à laquelle vous allez participer. Mais c'est plus qu'une aventure, c'est une course qui va vous opposer les uns aux autres sur plus de 10 000 km de Paris à Pékin. L'équipe qui remportera cette course gagnera un prix pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Je serai votre directeur de course. Je vais donc vous expliquer l'ensemble des règles. Et je vais commencer par la principale. Vous disposerez, pour parcourir ces 10 000 km, d'un budget de 1 euro par jour et par personne. Ah, mais c'est bon, ouais. 1 euro pour vous déplacer, vous nourrir et vous loger. Ah ouais, ah, c'est trop. Enfin, 1 euro par jour et par personne, ça fait donc 2 euros par équipe. Ah ouais, quand même. Quand même, ouais. Ok. C'est mieux que rien. Tranquille. 2 euros par jour. Et avec ce budget, vous allez donc aller à Saint-Pétersbourg, à Moscou, suivre le parcours du mythique transsibérien. Et puis après la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi, la muraille de Chine. Et enfin, notre titre d'arrivée, Pékin. Ah, ouais, là. Vous l'avez compris, cette aventure est sans doute la plus incroyable qui vous a été donnée de vivre. Mais maintenant que vous connaissez les règles, je vais vous laisser 3 minutes de réflexion avant le départ. À tout de suite. On a du mal à se dire qu'on va se retrouver à Pékin, mais avec la muraille de Chine, alors que là, il y a la tour Eiffel derrière, pour l'instant. Bon, on rigole là, peut-être, en partant, c'est Paris, bon, il fait beau, tout ça, on n'a pas de soucis, mais ce qui nous attend, à mon avis, c'est hard. Maintenant, on est là, on est dans le jeu, on commence, c'est du sérieux, c'est fatigué, on va faire tout le possible, on va faire tout le possible pour aller jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort. On a l'envie, mais vraiment, quoi. Non, je veux pas mourir non plus, mais jusqu'à ce que vraiment soit plus possible, et enfin. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le budget. Un euro, c'est vraiment très juste, quoi. Un euro à Paris, on peut même pas prendre le métro. On va composer, on va pas acheter beaucoup de souvenirs. Hein. Ça va être léger, la trésorerie. C'est pas grave. Vous soufflez par la destination parce que c'est une des destinations qu'on voulait faire. Le but du jeu, c'est de voir Pékin. Hein. Moi, je vais passer par la muraille de Chine et je vais arriver à Pékin. J'ai conscience que ça va être très très difficile. Voilà. Les fanfaronnades, c'est bien beau, l'esprit, la magagne et tout ça, mais là, on va en chier, comme il dit l'autre. Vraiment. T'as pris du papier, non, de toute façon. S'il vous plaît, je vais demander toute votre attention parce que le timing est très serré. Dans peu de temps, vraiment très peu de temps, un avion décolle pour vous emmener juste à la frontière russe. Il y a, au bout du Champ de Mars, un bus qui vous attend pour vous emmener à l'aéroport. Je vais donc vous demander de mettre vos sacs, de bien les attacher. Allez-y, attachez-le, hein, parce que ça vaudra le coup, je pense. Vous êtes prêts ? Partez ! C'est parti ! Tous les candidats s'élancent pour rejoindre le bus qui va les conduire à l'aéroport, direction la frontière russe. Ils ont sur le dos leur unique sac, celui qui contient toutes leurs affaires pour les 45 jours de l'aventure.
Les équipes ont plus de 10 000 km à parcourir jusqu'à Pékin. Ces quelques mètres n'auraient pas dû leur poser de problème. Mais contre toute attente, cette traversée du champ de Mars va peut-être tout remettre en question. En courant, un des candidats s'est tordu la cheville. Cette équipe maintenant handicapée, c'est celle de François et Dalila. Je me détends la cheville, moi. Tu vas te casser une jambe là-bas. Non, non, il a dû prendre des petites pommades, des bombes d'utique, tout ça pour les hématomes. François ne veut alerter personne, pas même Dalila. Il décide de rester à bord du bus qui emmène tous les candidats vers l'aéroport pour le début de l'aventure. À Orly, quelques minutes plus tard, François doit se rendre à l'évidence, il n'arrive plus à poser le pied par terre. Pour lui donc, direction l'infirmerie pour en savoir plus, et pour Dalila, c'est le début d'une longue attente. François s'est tordu la cheville dès le départ du jeu, et il a un petit hématome sur le côté, donc ils sont partis faire une radio pour voir s'il a rien de grave. Donc je m'inquiète. J'ai les boules parce que je ne sais pas du tout si on va pouvoir embarquer, si on va pouvoir faire le jeu. Pendant ce temps, les autres équipes de candidats enregistrent leur unique bagage pour un périple de près de 45 jours. Et le poids maximum du paquetage et de toutes leurs affaires ne doit pas dépasser 18 kilos. Tous connaissent maintenant la destination finale, Pékin, mais personne ne sait quelle est l'équipe qui va y parvenir la première. Et alors que tous les candidats ont fini d'enregistrer leur bagage, Dalila, elle, s'avance seule dans la salle d'embarquement. Donc on m'a dit de vous communiquer que François a le pied cassé. Oh, le pied cassé. Donc on ne peut pas participer. C'est dommage. C'est bien dommage. Ouais. Donc on voulait vous dire qu'on n'avait pas abandonné, qu'on aurait bien voulu vous affronter. C'est gentil. On nous manquait déjà et on compatit pour lui, le pauvre, malheureusement. C'est gentil. On pensera à lui. Je lui dirai. Sur la vise avant de partir quand même. C'est gentil. Je transpire. Bon courage et puis voilà, on est désolé pour vous. Merci. Il ferait une bise. C'est bien dommage. Bonne chance. Merci. Crapahut est bien. Puis bah, souffrez bien aussi, hein, parce que ouais, vous allez souffrir, hein, vous savez. Non, c'est vrai. Bon, bah, du coup, moi, ce soir, je vais bien manger, je vais bien dormir. Bye bye. Au revoir. Désormais, les équipes ne sont plus que 9. Toutes savent maintenant que de Paris à Pékin, la course va être difficile et qu'à tout moment, tout peut arriver. Une fois passée la frontière russe, au départ de Pskov, les équipes auront moins d'une journée pour accomplir la première partie de l'étape, rejoindre en stop Saint-Pétersbourg. C'est dans cette ville qu'aura lieu la première épreuve d'immunité. Puis il faudra rallier Moscou, la destination finale de l'étape. Pour l'instant, ils sont déposés en rase campagne à la sortie de l'aéroport de Pskov. Bienvenue à Pskov. C'est la première ville après la frontière russe. Pour vous aider à vous diriger, j'ai ici une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une balise. Cette balise me permet de vous repérer, de savoir exactement quelle est votre position à tout moment et également de vous envoyer des messages très importants. Je commence. Il y a une carte géographique du trajet. Il y a un mot en russe pour vous aider à communiquer. Il y a votre argent. 1 euro par jour et par personne. Ça fait 35 roubles par jour et par personne. Je vous donne tous rendez-vous à Saint-Pétersbourg, place du musée de l'Ermitage, où vous affronterez. L'équipe qui remportera l'épreuve sera protégée de l'élimination, quoi qu'il arrive à Moscou. L'équipe qui arrivera la dernière à Moscou sera éliminée. Allez, 3, 2, 1, partez ! C'est le départ de Pékin Express. Les équipes s'élancent pour la première étape de la course. Les candidats doivent parcourir la distance de 300 km en stop pour rallier Saint-Pétersbourg avant demain matin 11h et pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Je ne crois pas que ça serve beaucoup de courir. Non, ça ne sert à rien de courir. C'est bon comme ça. Il y a 10 000 km à faire. Hein. Ouais. Allez, là, on est chaud. Prends le papier qui dit que... On est des frères. Ouais, tais-toi. On est des French et puis... Non, c'est pas bon. C'est ouais. Ça, là. Bah, c'est... Ah, autostop, c'est bon. Tu l'as ? Ouais. Bah voilà !
Le papier important que cherche Odile est un vrai sésame. Il permet aux candidats de se faire comprendre et explique en russe qu'ils sont dans une course en stop qui doit les mener à Pékin avec 1 euro par jour. Bon, viens, on avance, ce son. Hein. Et ça, t'es sûr que c'est là? Can you take us for a ride? Speak English? C'est. Télévision. Qu'est-ce qu'il y a sur ce papier de merde, là? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je sais pas. Ça, c'est une grosse dame, on n'a même pas traduit comme des gros cons. Слушай, не базар нет. Non, oublie ça, regarde. Без разговоров, блядь. Ça se passe là. Regarde. Et je vais traduire ce truc là. Yeah. Allez. Ils foutent notre gueule en foot. Allez, viens, on se casse. Allez, on se casse. Emmanuel. Oui. T'as vu comme il s'est foutu de ta gueule? Et y a, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Je sais pas. Mais garde-le toi, ce papier. Monsieur. Aller à Pékin en stop, cela fait bien rire les Russes, mais papier en main, nos équipes se lancent et ne manquent pas de courage. Elles arrêtent toutes les voitures qui passent. 5 minutes. You go this way straight. Arbeiten. On travaille alors. Non. Non, it's possible for you. Non. Ok, on monte ou pas? Non. Bon, bah alors salut. Non. You speak English? No. You speak English? No. You don't speak English? Yes, no. Pour Fatih et Mehdi, stop ou pas, Russie ou non, le naturel revient au galop. Voyager, c'est aller au contact des habitants et ne se privent pas de demander leur chemin. Do you speak English? Yes, 10 minutes. You speak English? We come from France. Comme ça ou comme ça? Saint-Pétersbourg. Isora. Yeah, no, Isora. Hein? No English? You speak English? No, yeah. Isora. Isora, yes. Okay. Direction here? We want to go to this town. No, мы особо не знаем. You have car? No. You have car? No. Papa, your mom, your dad? Yeah? No. Yeah? Papa et mamie, going? Mehdi, on perd pas de temps. Attends, c'est une voiture. C'est une meilleure. Ils peuvent pas nous aider, les bombes. Alors, salut, les filles. Je vous fais deux bises, quand même. Oh. Attends, il y a un camion, Mehdi. Mehdi, il y a un camion. Et toi aussi. On va voir s'il y a de la place. Vous me faites un bisou, là? Hello. Mehdi, il y a un camion, là. We go? Salut, les filles. Tiens, ouais, vas-y. Non, monte derrière avec moi. Donne la clé. Monte derrière avec moi. C'est bon. Regarde là, t'as du rouge à lèvres là. Elle t'a fait la bise. C'est pas grave. Hey, on les a arrêtés, nous ont motivés, on est monté dans un camion. C'est de la balle. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux, mon cousin? Vladimir. 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 Nicolas. Ah, Mehdi Fatih. Mehdi Fatih. Bonjour, bonjour. Okay. Bonjour, spasiba. Là, c'est la bonne direction pour l'instant, c'est excellent. Comment? L'envers. Oui, oui, da, da, oui, da. Oui, da, da, da. Oui, pour Paul et Louis aussi, les deux frères corses, doyens de la course, le début de l'aventure est placé sous le signe de la chance. Très vite, ils arrêtent une camionnette. Pour commencer, on a eu un peu de chance, hein, pour que ça dure. Hein. Ouais. On a eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'extraordinaire, d'entrée de jeu, quelqu'un qui nous a pris en stop. Your name? Володя. Володя. My name is Vova. Vova. Russian music. Hey, hey. On est tombé sur le meilleur. Le meilleur. Crazy. Good boy. You are friend of mine. Sure. On a sympathisé avec lui, il parlait un peu anglais. Et quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que le gars nous a donné de l'argent. C'est formidable. C'est extraordinaire. Write your name and your address. I want, please. Je l'ai invité en Corse. Il peut venir chez moi, lui et toute sa famille, autant qu'il voudra. C'est le geste qu'il a fait là. Je pense que c'est rarissime. J'espère que tous les autres candidats ont eu la même chance, mais nous, on a été vraiment gâtés. I give you my house. Okay. You know it? Okay, хорошо. Thank you very much. 300 roubles. C'est pas beau, ça. Est-ce qu'on peut faire 300 roubles? C'est beau, 300 roubles. On a 35 par jour. Là, on a 300. Là, 300 d'un coup. C'est merveilleux. Bon, maintenant, il faut trouver une voiture. Hein. Paul et Louis sont déposés sur le bord de la route. Pour tromper l'ennui, Louis a décidé de fabriquer un étendard, histoire bien sûr d'attirer l'attention des voitures, mais surtout de porter haut les couleurs de la Corse. La Corse, c'est la terre de Paul et Louis depuis plus de 60 ans. Ils sont corses, ils sont frères et ils sont inséparables. Et pour eux, la famille est la première des valeurs.
C'est toi que j'ai entendu siffler. Ouais, j'ai sifflé, là. Il me semblait bien que c'était c'est toi. Moi, j'ai sifflé, ouais. Ouais, ben maintenant, on se finit le chemin ensemble, hein. Allez, on finit ensemble. C'est que... Oh, putain, on va avoir 65 ans à la fin de l'année. Moi, je vais en avoir 64 à la fin de l'année. On se tient de, pas longtemps, on a 11 mois d'écart. Ah, 11 mois et quelques jours. Ouais, mais le secret, c'est quoi? Non, mais c'est vrai. Le secret, je vais te dire, moi, c'est fumer, boire, se coucher tard. Voilà. Je souhaite qu'on gagne. On va se battre pour. On se soutiendra l'un l'autre. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de moi-même. Jusqu'où je... Tant que je tiendrai, tant que je serai debout, je continuerai. Maintenant, on va faire du stop avec ça. Avec ça. Tout le monde va ici. Ils vont être intrigués. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils ne connaissent pas ici. Hein. Depuis leur départ de l'aéroport, pour Ernest et Odile, plus ça va, moins ça va. Ils sont arrêtés sur le bord de la route et Ernest ne se sent pas bien. Le voyage, les changements de température, les émotions, tout ça a perturbé Ernest et il a mal au cœur. Odile a pris les choses en main, mais le temps passe et l'état de forme d'Ernest empire. J'ai mal à la tête en plus, j'ai la tête à l'étude. Là, on est dans la merde. Hein. Allez, mon bébé, on va y arriver, va. Ah ouais, il n'y a pas de soucis. Bah, je suis tombé malade dès le départ, quoi. Et c'est sûr que Odile, là, bah, elle a bien assuré, quoi. C'est elle qui a mené tout, quoi, presque. Hein. C'est, moi, j'étais dans le cosmos, alors je pouvais rien faire. Hein. C'était les décisions, je pouvais que marcher comme un petit chien derrière. Et encore, je crois que mon sac à dos, il pesait 3 tonnes, quoi. C'était, j'étais un boulet pour elle, là. C'est pas possible, on n'est pas les derniers cons, là, à pas avoir trouvé une bagnole. Merde! Emmanuel ne veut pas rester sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se foutre de notre gueule, encore. Elle court aborder un camion et ça marche. C'est da. Ça y est, toutes les équipes ont trouvé un véhicule, toutes, sauf celle de Pascal et Christophe. Ah, merde. Merde, on s'est fait tuer. I love Paris very moment. Sous les ponts de Paris s'envole une chanson. Allez, cours un peu, Pascal. Cela fait maintenant plus de 5 km que Pascal et Christophe progressent à pied faute d'avoir trouvé une voiture. La route est longue, sans village aux alentours. S'il vous plaît. Non, ça va. Un moment, on s'est retrouvé seul. On peut appeler ça seul au monde. Plus de voiture, aucun bruit, mais vraiment rien du tout. Au milieu de nulle part, sans argent, sans moyen de se faire comprendre, les derniers du peloton gardent pourtant le moral. C'est pas grave, on garde le moral. On n'a fait qu'un tiers du parcours. Christophe et Pascal, amis depuis plusieurs années, ne sont pas des baroudeurs. Ils aiment la ville et la vie d'Amiens. Tous les deux barmen, ils n'envisageaient pas de vivre l'aventure l'un sans l'autre. J'ai eu envie de faire cette aventure, d'une part parce qu'en fait on était deux. Faire une aventure seule, ça va être... c'est pas aussi excitant en fait. Moi je pense que ça va nous rapprocher un petit peu. Un petit peu même, c'est énorme. Ça permettra de voir si la relation qu'on a en fait, d'amitié, est vraiment sincère. Une amitié forte renforcée par une passion commune, celle du spectacle. Car Pascal et Christophe ont un deuxième métier, ils sont transformistes. On remplace Christophe et Pascal, donc je vous présente Crystal et Miss Fine. Voilà. Tout simplement. L'émission va me permettre de prouver plein de choses. La plus importante, en fait, c'est de prouver à mes parents que c'est pas parce qu'on est gay qu'on peut pas faire des choses de tous les jours. À la base, je suis un garçon. Simplement, je suis un garçon qui aime les garçons. C'est tout simplement ça. Ah, super, j'adore la Russie. La Russie. Pause. C'était stressant, psychologiquement, on se sentait abattu. Et en plus, il pleut. Oh là là, moi je prends une sauce. Donne-moi ça. Putain, ça. Aide-moi à mettre le caoué. Vas-y, mets ton caoué à toi, je vais faire. Pour se sentir un peu plus, on va dire, motivé, il faut que ça aide des deux côtés. Et quand t'as une personne, en fait, qui ralentit un peu et qui... Enfin voilà, quoi, c'est pas évident. Quand tu t'accélères un peu, là, parce que de toute façon... Hein? On accélère, là, franchement... Bah oui, bah... Ouais, mais avance, Christophe. Mais on est deux, alors on accélère à deux. Vous m'emmerdez, là.
Oh. C'est bien attendu tout à l'heure, bon. Non mais ça commence là, ça y est. Alors, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il a commencé à me gonfler. Énervés, Pascal et Christophe continuent à progresser à pied vers Saint-Pétersbourg. Certaines équipes devant eux ont déjà pris un peu d'avance. Pour l'instant, en tête, Patrick et son fils Christophe, puis les Corses Paul et Louis, suivis de Carolina et Stéphane, le couple de Saint-Tropez. Dans le deuxième groupe de la course, on retrouve Fatih et Mehdi, toujours sur le bord de la route à la recherche d'un véhicule. Et leur technique à eux, c'est le contact, car pas question de rester à l'arrêt. 5 km, c'est bon. Please. 5. Ah, c'est bon. 5 km. C'est dans là-bas. C'est de la bombe atomique, c'est de la bombe atomique. Vladimir, tiens. Hop, Vladimir, merci. Merci, Vladimir, merci beaucoup. Je vais conduire un peu, laisse-le en même temps. Merci beaucoup. Non, il va doubler. Oui, double. Oh là là, Schumacher. Schumacher. Oh là là. La Lada, good, hein? Good Lada. We go here. Hein? Ben, pour l'info. Oh, magnifique. On va lui montrer maintenant, on va lui mettre la pommade lui aussi. Bonjour, in France. C'est même pas de la pommade qu'on va lui mettre. Oh, après France. Passiba. Bonjour. Passiba, merci. Comment ça va? Tiens, montre-lui la feuille. Deux secondes. Ouais, mais pourquoi tu montres? Elle a pas de voiture. C'est pas grave, on va prendre les poussettes. Carolina et Stéphane l'assument, ils aiment le luxe. Et même pour l'autostop, ils font tout pour essayer de choisir leur moyen de transport. Pas trop de camions, plutôt des berlines. You go to Plessa? Arrêtés sur un parking, ils demandent aux voitures qui passent, et ça tombe bien. C'est un 4x4 de luxe qui accepte de les prendre pour un bout de chemin. Bon confort, là. Ah ouais, le luxe. C'est ce qu'il nous faut. Hein. Do you know Saint-Tropez? France, Saint-Tropez. French Riviera, near Monaco. Monte Carlo, Saint-Tropez, Cannes, yeah? Yeah, we are from. La Riviera, Juan-les-Pins, Saint-Tropez, c'est sous le soleil de la Côte d'Azur que Carolina et Stéphane ont l'habitude de la Dolce Vita. Elle, écrivain et italienne, lui, professeur de golf. Ils sont mariés et ont le goût des belles choses, mais aussi un certain penchant pour les défis. C'est un peu différent par rapport à la vie qu'on a tous les jours. C'est qu'on ne saura jamais où est-ce qu'on va être. Donc, il va falloir s'adapter à chaque fois. Et ça va nous permettre donc, de voir un petit peu comment on réagit tous les deux et comment ça se passe. This is way to Saint Petersburg. Ok. Ça, on avance. Tant qu'on a de l'essence, on avance. Ну вам лучше остановиться, где много машин, да? Где много машин искать. Alors là, ça devient un peu dur. Ça devient plus compliqué. On a retrouvé nos bonnes aises, c'était très sympa. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps. C'était sympa, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus, mais. Viens, Stéphane. Moins chanceux que Carolina et Stéphane, et nettement plus loin derrière, Nancy et Nicolas attendent sur le bord de la route depuis plus d'une demi-heure. Il y a des voitures, mais il n'y a personne qui s'arrête. Nos deux amoureux ne veulent pas rester ici plus longtemps. Ils vont donc tenter une technique de stop vieille comme le monde. On perd du temps, là, on perd du temps, Nico. On a tenté la technique du Nicolas, cache-toi, et c'est la fille qui arrête les voitures. Ha, qu'est-ce que j'avais dit? Fumier, va. Fumier. Glass Putin. T'as vu? Enfoiré. Ah, joli. Les gars se sont arrêtés, mais quand ils voyaient Nicolas arriver, ils n'ont pas voulu le laisser monter, donc... Youhou! Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, mec, il y a tous ces mêmes choses. Les fumées, ouais. Je serais même pas monté avec lui non plus, de toute façon. C'est ça, ouais. Il est 17h. Pour Nicolas et Nancy, comme pour tous les autres, il ne reste qu'une heure de course. Il faut à tout prix trouver un véhicule pour continuer à avancer. Oh, le coup de cul. Car une fois la course arrêtée, ils devront trouver un endroit où dormir. Oh, il nous a sauvé la life. Oh, putain. Ah non, je suis pas bien. Attends, je suis malade. En plus, ça bouge comme ça, là. Je ne peux pas faire ça. Ah non.
Il y a de la chaleur, ça bouge. Quand je sors, je gerbe tout de suite, hein, je ne change pas. La gastro plus la clope. Oh, oh, je suis mort. Heureusement que j'avais un sac plastique à côté de moi, mais bon, le gars, il n'a pas entendu, parce que la moindre des choses, c'est pas de vomir dans son camion. Ah, ça, je peux pas tenir. Hein. Je suis au bout du rouleau. Ah, le sac, je sais même pas où le mettre, déjà. Je dois dire, heureusement qu'il a pas de trou dedans, hein. Franchement, gars, il est pas percé. Hein. Heureusement, parce que sinon, il y en a partout dans le camion, je te dis, vois. Ah, bah, le mec, il nous jette. Si ça commence déjà comme ça, j'imagine le pire. Mais bon, on tiendra jusqu'au bout. Jusqu'à temps qu'on nous vire. Oh, ça ralentit, j'aime pas quand ça ralentit. Ah, moi non plus. Oh, la fin du voyage des petits amis. Paka, Sergueï. Quand les équipes descendent d'un véhicule, elles se trouvent lâchées en pleine nature, sans savoir où. Et pour Steve et Emmanuel, l'objectif avant Pékin, c'est de savoir où l'on est et où l'on va. Mais encore faut-il réussir à s'y comprendre. Okay. Attends, là, ici, là, ici. Ici, on est là. Qu'est-ce que je vais lui donner? Oui, mais ici, là, c'est où? C'est là, on est là ou on est là? Ici, là, pas là? Ici, là? C'est sur ma vie, oh, ici, ou là? Ici, là. Улица. Putain, c'est merde. Steve et Emmanuel sont là, sur la carte. Ici, là, ça. C'est où? On est là. Où on est? Non, attends, je pose une question. Ici, là, cet endroit, c'est là ou là? Là ou là? Направо, и вот. Là ou là? Направо. 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 On peut aller où? On peut aller? Nous, on peut? Avec vous? Ah, нет, нет. Нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет. OK, нет. Race, race. Bon. En queue de peloton, trois équipes. Steve et Emmanuel, Pascal et Christophe, Nina et Daisy. Patrick et son fils Christophe ne le savent pas, mais ils sont en tête. Et pourtant, le stop chez eux ne semble pas être une seconde nature. Ni mon père ni moi en pratique d'autostop, ni mon père ni moi en prend des autostoppeurs. Je pense que dès aujourd'hui, à l'avenir, je prendrai des autostoppeurs. Voilà, il n'y aura pas d'excès de vitesse. Hein. On avance. L'essentiel, c'est d'avancer. Donc, on n'a pas attendu trop, là. C'est bien. You are French? Yes. Yes. Oh. Yeah. My son. Bye bye! Nina et Daisy doublent Pascal et Christophe en attente sur le bord de la route. Génial ce jeu, je te jure. Attends, j'apprends. Hey. Cool. Quelques minutes plus tard, c'est Steve et Emmanuel qui subissent le même sort. Oh là là, c'est facile. Ah. Nina et Daisy sont heureuses d'avoir doublé deux équipes et d'être montées vers la tête de la course. Les filles sont tellement détendues que, à peine descendues de voiture, elles prennent très vite congé de leur chauffeur et décident de monter, insouciantes, dans le premier véhicule venu, sans plus poser de questions. Mais elles vont bientôt se rendre compte de l'état d'ébriété de leur chauffeur et cela va d'un coup tendre l'atmosphère. On s'est arrêté sur deux gaillards militaires, je pense. Et c'était un peu chaud parce qu'un, il avait beaucoup bu. Il était vraiment très saoul. Et l'autre, il disait rien du tout. Donc, c'est pas rassurant. Sorry. I'm sorry. Wait, God, I shot. I'm sorry. Wait, God. I didn't even move him off. Un malaise s'installe. Maintenant, elles craignent pour leur sécurité. Vas-y, j'en descends. Moi, il me faisait vraiment, je sais pas, il nous regardait, il nous faisait des signes, il faisait ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'il faut, il faut avancer, mais il faut pas non plus, je vais pas risquer, pas ma vie, mais bon, on sait jamais pour 2 km ou 3, quoi.
Moi, je suis désolée, t'as vu, mais moi, j'ai pas envie qu'il te... Tu vois, qu'il t'égorge, là. On nous égorge, parce qu'il y a une raison. Mais voilà, mais qu'on nous égorge et que... Pendant ce temps-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans l'équipe de Steve Emmanuel, Steve part aux champignons. Car avec 1 euro par jour pour se nourrir, rien de tel que les ressources naturelles pour rester dans le budget. Même si Emmanuel, elle, préfère chercher une voiture. Je vais le tuer avec ces champignons. C'est sec. Mais il n'y a pas de voiture. Donc, on est pas en classe de biologie. On est de loin la voiture, c'est elle est là. Et une superbe forêt à côté, ben, s'il y a 2-3 champignons, on les ramasse. Après, il faut juste tirer à piquer quelques œufs directement du cul de la poule. Mais ça, c'est et puis on se fera une omelette. Voilà. Bon, sûr, on va trouver plus facilement une poule qu'une voiture. Hein. Monsieur, je vous donne mon corps. On va dormir dehors. Bon, il faut le faire, on le fait. Hein. Il est 18h. La balise qui relie chaque équipe au PC de la course sonne. À partir de maintenant, la course est gelée. Cela signifie que pour tous, la course est arrêtée avec interdiction formelle de progresser en voiture. Ah, ils nous ont même pas dit comment ça marchait, ce machin-là. Non. Ils croient que je suis un docteur ou quoi, moi? Mais j'ai pas de bip. Ils reprendront la course au même endroit demain matin, mais il faut maintenant trouver un lieu où dormir et manger. Ce soir, en tête de la course, Patrick et Christophe, les pères et fils. De toutes les équipes, ce sont eux les plus proches de Saint-Pétersbourg. Suivent Carolina et Stéphane, Nancy et Nicolas, puis Fatih et Mehdi. À l'arrière de la course, les équipes sont parfois si proches les unes des autres que certaines se rencontrent au détour d'un village. C'est le cas de Steve et Emmanuel qui rencontrent Christophe et Pascal. Ils décident très vite d'unir leurs forces pour trouver ensemble où se loger. Bon ben on y va. Oh putain, on va s'y acheter à coups de cailloux. Hello. Hello. Bonjour. Dormir où? Pour toutes les équipes en ce début de soirée, nouvelle difficulté. Après une après-midi entière à faire du stop, les candidats doivent affronter une épreuve supplémentaire, trouver un endroit où dormir. D'accord. Quel est le chien qui veut nous parler? Lui non plus, il parle pas notre langue. S'il vous plaît. Hello. La règle est stricte. Les candidats n'ont pas le droit de payer pour se loger. Ils doivent donc compter sur la compréhension et l'hospitalité des habitants. On a deux familles. Thank you. Pas facile de se faire comprendre, pas facile de convaincre. Dans Pékin Express, les problèmes pour parler la langue font partie des épreuves de la course. Et pour Carolina et Stéphane, maison après maison, les refus s'accumulent. Ça, tu comprends quand même. Mm-hmm. Ouais. Non, c'est... Non. C'est nous, on serait à leur place, on ferait presque pareil, mais bon. Fatih et Mehdi, dès l'arrêt de la course, décident de se diriger vers une buvette au bord de la route. Fatih et Mehdi ou l'art de se faire inviter. Sans argent et sans toi, il faut bien se faire des amis. En 30 secondes chrono, l'affaire est réglée. Comment ça va? You don't know me, and you invite. On va le manger, on va utiliser doucement là, parce que j'ai chaud à mort là. It's very hot. Drujba. Pour Ernest et Odile, ambiance différente. Ils ont déjà abordé une dizaine de maisons, sans succès. On voudrait dormir cette nuit. Dans une petite, même une petite cabane, c'est possible? Non? Non. Merci. On va cogner? Ouais, allez, vas-y, on y va. Allez. Ernest et Odile, comme les autres équipes, n'ont pas le droit de payer pour être hébergés. Ils cherchent donc à se faire inviter chez l'habitant. Just sleeping. Possible ou non possible? Ça veut dire qu'il va demander à sa femme. Il faut que la femme soit d'accord. Ah ouais, c'est ça, c'est la femme qui commande généralement. Bonjour. Hello. Non, pas du tout. Ça va, c'est bon? C'est bon, okay. Merci. Ah bah, c'est bon, on est parti. Voilà, tranquille. Merci. C'est chez Sergueï et Irina qu'ils vont vérifier que l'hospitalité russe n'est pas un vain mot. Ah bah voilà, bah c'est gentil. Hein. Vraiment, c'était très chaleureux. Ils ont voulu nous connaître un peu plus. On a montré des photos. On a deux девочки, deux. Une, deux.
Deux enfants. Deux enfants. D'accord. Ah. C'est une journée qu'on a vécue à fond, quoi. Moi, j'étais malade, c'est bête, parce que j'aurais pu vivre les choses encore mieux que ça, quoi. Mais putain, il s'en est passé des choses, hein. Ouais, ça en est passé, hein. Ah, ça me fait chialer, en plus. Ah, là, je suis fatigué, mais grave. Cela fait plus d'une demi-heure que Paul et Louis ne trouvent aucun refuge. Après avoir frappé à plusieurs maisons et en désespoir de cause, ils se sont résignés à employer les grands moyens. Et quoi, qu'on va aller dormir dans la maison désaffectée là-bas? Désinfecté. On s'est arrêté et là on a trouvé un petit endroit pour dormir. On va squatter un peu. C'est la planche qui va casser. Oh, putain. On a un peu ouvert une maison, quoi, une vieille maison. C'est vraiment bien fermé, ça, toi. L'hôtel du fer à cheval. Donc pour ce soir, on va pas dormir chez l'habitant, on va dormir dans un squat. De toute façon, on dort par terre, hein. Il n'y a pas de lumière, rien. Un personne qui vient ce soir du boulot. Attends, on bouge plus. On sera emmerdé pour se lever les dents demain. C'est pas grave. Lui, on n'a pas de sac de couchage. On dormira comme ça par terre à la dure, mais c'est pas un gros problème. On a déjà dormi à la dure, nous. Я могу предложить показать вам. Устроит вас этот вариант или нет? Qui la comprend celle-là maintenant? У нас все так это не очень комфортабельно, не очень удобно. Пойдемте, посмотрим. И решите. On sait pas encore où on va, mais en tout cas on y va. Ah, perfect. Ah, je vais m'asseoir, tiens. Ouh. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu. À force de tourner dans leur village, Steve, Emmanuel, Pascal et Christophe ont attiré l'attention des habitants. Torik et sa famille vont les aider en allant même jusqu'à leur prêter leur maison. Oui, gas, c'est ok. Да. Вода. Вот надо воду. Пойдемте, я покажу. Ok, venez me trousser. On y va. Dans le puits. Ah oui. Mais toi, c'est génial. Ouais. C'est dément. Hein. On nous a montré l'eau, donc pour boire, c'est même pas la peine. Pour se laver, ça va être quelque chose. Parce qu'il faut faire chauffer la gamelle d'eau. Ce soir, on a des barres de céréales et des champignons que Steve a ramassés, qu'on va se faire cuire, des bons champignons. Non, là, ce soir, je pense qu'on va se débrouiller. Ça a été de suite chaleureux. Ils nous ont montré un tas de trucs à manger. On a fait un festin, un truc, j'imagine, pour eux, digne d'un repas de Noël. Du blé, des boulettes de viande, des biscuits, des chocolats, du thé. Bon, je crois qu'on a pris une leçon aujourd'hui d'hospitalité. Des gens. Tu bois quoi avec ta soupe, la vodka? En Russie, dit le proverbe, si on vous ouvre la porte, on vous ouvre les bras et on vous offre de la vodka. C'est le signe d'hospitalité numéro 1 et certaines équipes vont goûter dès ce premier soir à la boisson nationale russe. Ah, c'est pas de l'eau, hein. Écoute-moi. Un goût de vodka. Un goût de vodka. Cheers. Fatih et Mehdi profitent sans arrière-pensée de l'hospitalité russe et tchétchène. Mais étourdis par la fête, ils ne prennent pas conscience du caractère dangereux des hommes qui les accueillent. Le coffre de leur voiture est rempli de fusils à pompe. Et contrairement aux apparences, le quartier n'est pas sûr. Moi, je dirais qu'un truc. Encore une fois. Vive Russie, la Tchétchénie, L'Union fait la force. Encore une fois. Franchement, on a été super bien accueillis. Voilà. Fatih veut prendre congé. Le tout maintenant est de sortir de cette situation sans échauffer les esprits. Je les sentais pas vraiment bien, les mecs, quoi. Je voyais qu'il y avait, on dirait, un intérêt derrière, ou qu'ils allaient nous entourlouper, ou nous emmener dans un, je sais pas, un guet-apens, un truc comme ça, quoi. À quelle heure tu voulais dire? T'es pas raisonnable. Fatih. Tu vois, quand j'ai envie d'être raisonnable avec toi, t'es pas raisonnable. Non, it's me and my friend. No problem. Tell me what time you want to get up. Il n'a rien à voir avec ça, c'est entre toi et moi. Donc dans ma tête, je me disais, on va pas dormir chez eux, c'est sûr et certain. Je préfère dormir dehors avec mon pote Mehdi, avec sac à dos, un col roulé et tout ça, j'en ai rien à foutre, tu vois, que d'aller dormir chez des gens comme ça qui sont dangereux, qui vont nous plumer ou autre chose. Fatih et Mehdi quittent la buvette, ils finiront par trouver un endroit pour passer la nuit en sécurité. Tchin, voilà, c'est... allez, santé, allez hop.
Les heureuses rencontres qu'on peut faire, c'est voir les gens, comment ils vivent, et puis on va certainement apprendre beaucoup d'eux. Après un repas chaleureux offert à Ernest et Odile, Sergueï et Irina tiennent absolument à leur faire une surprise avec la découverte des joies du bagna. Ça réserve de cornichons ou quoi? C'est quoi, une douche? C'est le sauna, non? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quoi? C'est pour se laver. Attention, ouais. Ah, voilà. Уже холодная, кальт. D'accord. Кальт уже. Vapeur. C'est le sauna, en fait. C'est comme un sauna. Ouais, c'est comme un sauna, là. Oh là là. Ой, так, синишь и паришься. Правда, веник тут уже старый. Oh là là, mais je vais te gâter, tu vas me faire quoi? Ouais, tu vas me faire un massage. C'est toi qui vas me faire comme ça, il va me fouetter tout ça pour me remettre bien un aplomb. Allez, ma boubouchka, on y va. Ton Boris, il est là. Ah ouais, c'est vraiment la galère, je te dis. Il faut me couler un petit peu d'eau chaude après dessus, tu vois. Tu veux un peu trop de luxe, toi? Non, non, mais attends, on galère, là. Tu profites, là, un petit peu, quand même, hein? Non, non, c'est la galère. Bon, allez, je vais te fouetter un petit coup, là. Aïe! Ah, voilà, moi, fort comme ça. Oh, la galère. Oh, on est mal, ici. C'est le deuxième jour de course. Aujourd'hui, les équipes doivent rallier Saint-Pétersbourg. Tous les candidats reprennent le stop à la même heure et repartent du point où ils se sont arrêtés la veille. Patrick et Christophe sont les plus proches du but et une centaine de kilomètres les séparent des derniers. L'objectif pour tous, arriver avant 11h sur la place du musée de l'Ermitage. Car c'est la règle, aucune équipe ne sera acceptée à l'épreuve d'immunité après 11h. Pour y arriver, les candidats vont devoir traverser entièrement cette ville impériale fondée en 1703. Le musée de l'Ermitage se trouve au cœur de Saint-Pétersbourg, ancienne Leningrad. Mais pour l'instant, il est 7h, la course reprend. Ça prend ou pas? Ben ce matin, réveil matinal, hein. On a pas mal attendu. C'est le feeling, c'est la chance, hein. Le stop, c'est comme ça. Ça caille, tu viens de te lever, t'es dans le cirage, t'as envie de partir vite. C'est grâce, Étienne. Oh, super. En camion, en bus, en voiture, tous nos candidats roulent désormais vers Saint-Pétersbourg. Mais Ernest et Odile n'ont pas encore ouvert l'œil. Une rose. Oh, ben ça, c'est encore un signe. Ils nous ont tellement bien accueillis qu'il y a peut-être des moments où on rencontrera des gens et il n'y aura pas ce feeling qu'on a eu avec eux. Je suis désolée. Allez, c'est parti. Ouais, ben, la fraîche. Les premiers à atteindre les faubourgs de la ville sont Carolina et Stéphane. So we go there. Musée de l'Ermitage. Kilomètre, okay. Un kilomètre? Un kilomètre, da, un. Okay. Je pense pas que ce soit là. À mon avis, c'est plus loin. Mais Saint-Pétersbourg est une grande ville. Et le musée de l'Ermitage est situé en plein centre de cette ancienne Leningrad. Embouteillage oblige, certains candidats sont obligés de continuer à pied. Oh là là. Mais tu vas me faire mal, là. Tu t'arrêtes, moi, ma chérie. Oh là là, comment tu vas? Le chien, bisous comme ça. Encore? Alors, sur la bouche, sur la bouche. Non, je vais te la mettre sur la bouche. Sur la bouche, comme ça. Bonjour. Voilà. Voilà, ma chérie. On la remet à l'Ermitage. Allez, on va la remettre à l'Ermitage. L'Ermitage. Ça, c'est les pièges, c'est les nanas. Faut pas s'arrêter. Bah ouais. Toi, t'aimes bien ça. Deux. Bonjour. Ok. Please. Pour les équipes, tous les moyens sont bons pour rallier la place. En voiture, à pied ou en métro en se faisant offrir un ticket, comme l'ont fait Nina et Daisy. L'heure tourne et il faut atteindre le musée de l'Ermitage avant 11h. You come, come? No. No? No? Il faut trouver le logo de l'émission. C'est Carolina et Stéphane qui sont les premiers sur la place.
Allez, on est les premiers, mon cœur. 8h, 09 minutes, 23 secondes. On est au top, comme d'habitude, les premiers. Yes. Allez. Et ils ont presque 3 heures d'avance sur l'horaire. Oh. Ah, c'est magnifique, là. Ok. On peut profiter du paysage maintenant. Plus d'une heure après Stéphane et Carolina, c'est Patrick et Christophe qui arrivent en courant sur la place. Ils sont suivis par Nancy et Nicolas en troisième position. Oh, on est troisième. Ah, je te dis troisième. Et il est à peine plus de 10 heures lorsque la voiture de Paul et Louis fait son entrée sur la place. Nous sommes arrivés en quatrième position. Je trouve que c'est pas trop mal pour des types comme eux. Partis à l'arrière du peloton ce matin, les doyens de la course réalisent une belle remontée. Ils sont là-bas, hein. C'est les Corses. Au même instant, Fatih et Mehdi arrivent sur la place. Ils sont cinquième. 10 heures. Il est. Oh, c'est vrai. Les Méditerranéens. Les Méditerranéens, voilà. Tunisie, voilà. Corsica, Maroc. Maroc et Corsica. Voilà. Hier, on est tombé sur des Tchétchènes. Ouais, on a mangé. Les Tchétchènes. Ça a failli mal finir, hein. Il lui a montré 4 fusils à pompe dans le truc. Main dans la main, Nina et Daisy se classent en 6ème position. Et à 11h moins 5, soit 5 minutes avant leur limite, Pascal, Christophe, Steve et Emmanuel signent le registre. Trop bien. Non. Patrick, Christophe. À quelle heure ils sont là? 8h09. Putain, il est pédé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est 2. Il est 11h. L'épreuve a maintenant commencé. Odile et Ernest sont les seuls à ne pas avoir atteint la place de l'Ermitage dans les temps. Le bip sonne, la course est arrêtée. C'est pas grave. C'est vrai, t'as rempli. Là, il est 11h. Ouais, il est 11h. Le beeper a sonné. On a été obligé de s'arrêter. Ça signale l'arrêt d'urgence, quoi. Ou l'arrêt, pas d'urgence, mais l'arrêt total, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'on est arrivé, on peut le voir pas derrière. Aux portes de Saint-Pétersbourg. Pas aux portes, on est rentré carrément dans Saint-Pétersbourg. Odile et Ernest ne sont pas éliminés, mais ils ne peuvent pas participer à l'épreuve pour tenter de remporter l'immunité. Après l'épreuve, ils reprendront la course en dernière position. Dans quelques instants, je serai devant l'un des plus grands musées du monde, le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, pour accueillir les équipes qui ont passé leur première nuit en Russie. Mais en attendant, je suis devant la magnifique église de la Résurrection, en compagnie de Svetlana et Tatiana, qui sont en costume traditionnel. Elles ne portent pas ça tous les jours, hein, mais avouent que c'est plutôt sympa. Et ce sont elles que nos candidats doivent retrouver pour réussir leur première épreuve. En 20 heures, les équipes ont parcouru 350 km et sont enfin arrivées à Saint-Pétersbourg. Les 8 équipes qui ont rejoint la ville ce matin se présentent place de l'Ermitage pour participer à la première épreuve d'immunité. Les vainqueurs de cette épreuve ne pourront pas être éliminés à Moscou. Bienvenue à Saint-Pétersbourg. J'espère que votre première nuit en Russie s'est bien passée. Je crois que ça a été un peu sportif pour quelques-uns d'entre vous. Vous allez participer à la première épreuve de Pékin Express. L'équipe qui va remporter cette épreuve sera protégée de toute élimination. À notre arrivée à Moscou, terme de cette première étape, c'est encore à 800 km. L'objectif de cette épreuve, c'est de reconstituer sans doute le plus célèbre tableau qui est exposé dans le musée de l'Ermitage, qui est juste derrière. C'est la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Une fois que vous avez reconstitué ce tableau, ce qui est possible pour les meilleurs en 11 coups, vous allez avoir un indice. Cet indice vous permet de retrouver Svetlana et Tatiana. Ce sont deux jeunes femmes qui sont quelque part dans Saint-Pétersbourg. Ces deux jeunes femmes vont vous donner le dossard qui est le symbole de votre immunité. Une fois que vous avez ce dossard, vous revenez ici et vous me le donnez. Si vous le voulez, vous avez une réplique du tableau juste derrière. Vous pouvez aller la voir, vous n'êtes pas obligé. Tout le monde est prêt? 5 4, 3, 2, 1, partez! Les candidats de chaque équipe courent pour vérifier tous les détails du tableau et les mémoriser. Steve et Emmanuel, eux, décident de regarder de loin. Ils gagnent ainsi un temps précieux. Tu vois, regarde, tu vois, le bleu est là-haut. Donc ça, c'est placé. C'est placé, la fenêtre est placée. Les bébés.
très. Ça, ça va ici. Ah, la tête, elle descend là. Voilà. Non, elle est là, elle est. Ça, c'est pas à sa place. Hein. Là, il y a l'autre fenêtre de l'autre côté. Oh, oh, putain. La tête, elle est là. La tête, elle est là. Bouge, attends, laisse-moi faire. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y, c'est bon, là. Prends le truc. Steve plonge la main dans le puzzle. Il trouve dans la case libre un indice. Sur cet indice, une photo, celle du dôme de l'église de la Résurrection, l'église la plus célèbre de la ville. Elle n'est distante que de quelques centaines de mètres, mais située de l'autre côté du canal. Les équipes doivent arriver à se repérer dans la ville pour la trouver. Steve et Emmanuel sont les premiers à partir de la place. Il est où ce dôme? Alors attends, je sais pas, il y a un dôme par là, il y a un dôme ici là. Ah, il y a deux nuages, Nicolas, il y a un nuage à gauche et un nuage à droite. Non, ici. Putain, ils ont presque fait là. C'est la boue de couleur là. Boue de couleur. Allez, goes. Putain, on était bon depuis tout à l'heure, merde. Putain, merde. Mets ton sac. Vas-y. Stéphane, c'est bon. You know? Ouais. Nico, chine. Ok, thank you. Il est où, Stéphane? Caro, c'est l'autre côté. Regarde l'indice. Regarde l'indice, c'est ça. Mais... Là? Ouais. Ok. Hein? Viens, Emmanuel. C'est là. Pas là? Il a dit là. C'est le pas par là? C'est sûr? Allez, viens. Attends. Ils vont demander, ça ne savent pas. Viens. You must turn to the right of the corner and then you will get to the two streets. And over there. You can go over. Okay. A little bit back. Okay, thank you. Stéphane! Oui! Qu'est-ce que tu fais là? La tête, faut qu'on la mette là. Mais ça, regarde, ça va là. Regarde là-bas. Faut qu'on la mette là, la tête. Mais non, c'est ça. C'est le truc qui tourne avec... Je crois que c'est on a vu ça. Putain, on l'a vu, ce truc. Tout droit. Ok. Spasiba. Tatiana. Tatiana, non. C'est pas elle. Non. C'est là. Regarde. Hein? C'est là-bas? Ah ouais. Maintenant, ça servait à rien de courir. Hein. Tatiana! Svetlana! Allô Louis, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, où es-tu? C'est Carolina et Stéphane qui voient les premiers Tatiana et Svetlana. Tatiana! Svetlana! Mais ils sont bloqués du mauvais côté du pont. Il va falloir trouver un moyen de passer sur l'autre rive. Vas-y. Le temps de traverser, Emmanuel et Steve les doublent et prennent leur dossard les premiers. Comment on traverse? On fait le tour par le pont là-bas. Là-bas au fond. Steve et Emmanuel sont donc maintenant en tête. Ils doivent retrouver au plus vite la place de l'Ermitage avec Carolina et Stéphane bientôt à leur trousse. Allez, mon cœur, c'est elle. Fais lui une bise, tu l'embrasses, on se casse. Je suis pas sûr à bon le route. Épaule. Mais bon, on court comme des cons tout le temps, nous. Ça sert à rien. Hein? Et deux. Merci. Ça va? Pas trop essoufflé? Un petit peu. Que ça tous temps. Les matins en ce moment. On n'a pas mangé encore. On est super contents d'être arrivés, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et avec tout ce qu'on a fait, on sera arrivé 5 minutes trop tard. Non, là, je me tire une balle dans la tête. Je fais une grève de la faim là, sur la place. Bon, bah, ça a été serré. Hein. Ça s'est joué à 3-4 minutes pour les 4 meilleures équipes. Bon, il y a deux équipes, elles n'ont même pas eu le temps de partir. C'est pas très grave. Visiblement, le poste des tacards, c'était pas votre truc. Il y aura d'autres occasions hein, de vous racheter. Bah bravo, hein, Steve, Emmanuel, vous êtes protégés. venez. Venez me rejoindre. Je vais, avec votre sac à dos sur le dos, comme ça je vais pouvoir le mettre. Je vais coller le dossard qui symbolise votre immunité. Je vais retirer les stickers et comme ça sera simple. Bah oui, je vais retirer celui-là. Pour la fin de l'étape, Steve et Emmanuel sont protégés par le dossard rouge de l'immunité. Ce dossard est la preuve que, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas être éliminés à Moscou. Voilà,
vous êtes immunisé, vous êtes protégé, vous pouvez reprendre vos places avec tout le monde. Alors, il vous reste 795 km. C'est tout ? Avant d'arriver à Moscou. 800. La première équipe qui aura traversé la place rouge et qui me rejoindra au pied de la cathédrale Saint-Basile aura remporté une amulette, symbole d'un gain de 3000 euros. La dernière équipe, bien sûr, sera éliminée. Mais avant que vous partiez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dalila et François vont bien. Vous savez, François s'est cassé le pied. Ah, d'accord. On a pris les nouvelles. Son pied va bien. La moins bonne nouvelle, c'est pas non plus dramatique, c'est que je vous présente deux nouveaux concurrents qui les remplacent. Aude et Alexandra ont été appelés à la dernière minute pour rejoindre la course. Mais leur équipe n'est pas vraiment comme les autres, car il y a quelques heures encore, elles ne se connaissaient pas. J'ai appris que je partais hier soir. Je ne connais pas mon binôme, ça va être la surprise. Je ne sais pas où je vais, c'est carrément l'aventure jusqu'au bout. J'ai hâte de la rencontrer, elle doit être comme moi, elle a dû être prévenue au dernier moment. Alexandra ne sait rien encore d'Aude, 26 ans, qui comme elle, vient d'arriver à l'aéroport. Elle aussi a accepté de partir, sans savoir ni où, ni avec qui. Là, je suis un petit peu stressée parce que justement, je ne sais pas du tout où je vais, avec qui, quoi, comment. Donc forcément, je me pose des questions. Il va falloir qu'on arrive vraiment à s'équilibrer, à s'entendre, à se respecter pour aller au bout parce que le but, c'est quand même gagner. Ce que je sais, c'est qu'on a rendez-vous pour 18, donc là, on y est. Salut. Bonjour. Alexandra. Aude. Enchantée. Aude de même. Ça va? J'avais hâte de te connaître. Bah oui, moi aussi. Ça va? T'as été prévenue un peu... Hier, pareil. Voilà. Hier, c'est quoi qui t'a décidé? Non, non, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas, c'est la surprise. Vous allez partir faire une course. Alors où on va? À Pékin. Pékin. De Paris à Pékin. Putain, Pékin, je ne suis jamais allée. Hein. Ni à Saint-Pétersbourg, ni à Pékin. Vous allez disposer d'un euro par jour. On a un euro. Moi, j'adore manger. Alors, un euro par jour et par personne. D'accord, ça marche. Allez, je te prêterai mon euro, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je répète, 1 euro par jour et par personne. Oui, bah non, mais moi j'ai bien entendu, hein. Il va falloir qu'on s'organise. Ouais, déjà, ouais. 1 euro par jour. Mais il y a des pays où l'euro, ça vaut vachement. Toi, t'es optimiste, ça va. Ouais, je suis optimiste. Bienvenue. Merci. Venez, venez à côté de moi. Voilà, je vous présente Aude Alexandra. Bonjour à tous. Qui sont donc vos nouvelles concurrentes. Alors, vous le savez, hein, vous partez avec les derniers. Vous êtes plus fraîches quand même, parce qu'ils ont déjà parcouru un petit peu de route. Ils ont déjà passé une nuit pas simple. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir l'expérience. Et c'est vrai que le fait d'avoir une journée d'expérience, ça peut compter. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Rejoignez tout le monde. Bonne chance, hein. Merci. Merci, vous aussi, hein. J'espère que vous allez arriver... À demain, hein. Les dernières. Ouais. Je rigole. Ouais. Ce serait bien, non? Rendez-vous demain à Moscou. Bonne route, bon voyage. Okay. Demain. À demain. Ciao. Ernest et Odile sont enfin arrivés. Ils reprennent la course en dernière position. Pour toutes les autres équipes, le départ se fait à intervalles réguliers toutes les 5 minutes. C'est l'ordre d'arrivée à l'épreuve d'immunité qui détermine le départ des équipes. Les premiers à repartir sont Caroline et Stéphane, puis Patrick et Christophe, Nancy et Nicolas, Paul et Louis, Fatih et Mehdi, Nina et Daisy, Pascal et Christophe et enfin Steve et Emmanuel. Aude et Alexandra, les nouvelles venues, repartent avant-dernière. Les équipes le savent, il faut absolument rallier Moscou. Les derniers sur la place rouge seront éliminés. Pour Aude et Alexandra, question stop, c'est le baptême du feu. Premières impressions. Ah, ça pue. Ça pue trop, là. Je ne peux plus. Ah non, mais c'est infernal. Hein. Je vais vomir, je te jure, je ne supporte plus l'odeur. Tu veux un foulard? Ah non, mais c'est... Waouh. Quand on était au bord de l'autoroute, c'était un peu la galère. On est resté près d'une heure et demie avec la pollution en plus, ça pue, etc. Au bord de l'autoroute, personne ne voulait s'arrêter. Donc, ils faisaient coucou, ils sont gentils, mais ça ne servait à rien. Il leur reste encore beaucoup de route à parcourir, mais ça y est, elles arrêtent leur première voiture. On the road to Mokba. Mokba. On est là. Il faut aller là dans 2 heures. C'est pas possible.
J'ai adoré Paris. Mokba is far away. Ok. Enthousiastes ou découragés, les équipes sont bien obligées de recommencer à faire du stop. De leur côté, la chance sourit à Paul et Louis. Un chauffeur de bus les a repérés sur le bord de la route. Ils s'arrêtent sur le bas-côté et Louis convainc le chauffeur de les laisser monter gratuitement. Thank you. On fait un bon voyage. On a un autobus de 50 places pour nous deux. Ça marche le stop aussi. Du feu de Dieu, du tonnerre de Dieu. Tu regardes si tu vois des autostoppeurs. Paul alerte Louis, il dépasse Carolina et Stéphane. Merde, il y a les Corses. Oh, le bus. Le bus. Come on, non. Yes, go. Mais il s'arrête pas, Caro. Dans le bus. Je crois pas qu'on devait les favoriser et les aider sur ce coup-là. C'est un jeu, c'est un sport, il faut arriver le premier. Stéphane et Carolina sont jeunes, ils sont beaux. Qui se démerdent. Ça veut dire quoi, qu'ils sont à l'avance? Les deux frères corses sont désormais en tête. Le trafic routier est très important sur cet axe. Plusieurs équipes embarquent en camion. Pour éviter de se faire arrêter par la police, les chauffeurs leur demandent de se dissimuler dans la cabine. Vodka. Comment faire 450 bandes pliées en 4. Arrête de donner des pierres en pierre là. Oh, j'adore, en plus le monsieur il a la collection de peluches. Moi j'en fais pareil. Magnifique. Сердцем осени постучимся. Nina et Daisy, elles aussi, ont pris place dans un camion. Mais cela n'avance pas assez vite à leur goût. Elles veulent faire accélérer le chauffeur ou bien descendre pour trouver une solution. Vous ne pas très vite. Bah ouais, mais c'est un gros poids lourd quand même. J'ai commencé à paniquer et ça va être vraiment chaud. On va arriver en dernier, quoi. J'ai dit à Nina, mais tu crois pas que c'est mieux peut-être de prendre une voiture qui va aller plus vite? Elle a fait ouais, pourquoi pas, t'as peut-être raison. J'espère que ton idée est bonne, Daisy. Hein. Ah ouais. Parce que là... Là, c'est l'élimination, tu vois. On a essayé de prendre une voiture qui allait plus vite et là, il y a quand même que c'est arrêté. Et là, j'étais vraiment dégoûtée parce que je me suis dit, mais là, j'ai vraiment pas fait un bon choix. Ce camion, donc, allait encore moins vite que le premier. En plus, on avait perdu du temps. Et c'était quitte ou double. Et on n'aurait jamais dû s'arrêter. Mais en plus, il va pas à Moscou. Mais putain, mais là, mais... Ça aurait été hier, je m'en fous. Mais là, c'est l'élimination. J'ai pas envie de me faire jeter du jeu pour cette erreur-là, tu vois. Moi je suis sa coéquipière, je la suis. Donc c'est pas de sa faute. Moi aussi je pouvais lui dire très bien, ah mais non, et insister pour qu'on reste dans le camion. Et finalement j'ai dit oui, donc c'est de ma faute aussi, mais je suis énervée. Ernest, lui, commence à fatiguer. Bon, ok, elle est partie ou quoi? Avec Odile, il fait partie des trois équipes qui sont encore sur le bord de la route, mais heureusement, l'attente prend fin. Comment on dit, Stasiba? Non, je sais jamais ce nom. Stasiba, ouais, je crois que c'est Stasiba ou... Non, il a pas compris. Ah ouais, je le sens mal. Hein. Tu te sens mal? Non, je dis je le sens mal, parcours, non, maintenant je me sens fatigué, mais je me sens pas malade, quoi. Vous voyez tout le monde là, avec nous? Mehdi et Fatih, eux aussi, viennent de trouver une voiture, mais en la personne de Garrick, ils ont trouvé plus qu'un simple chauffeur. Tu nous sauves la pince, hein. What's your name? Il y a Garrick, ça vous. Mehdi. Mehdi. Fatih. Tonight, sleep in your house. Thank you very much. A champion du monde. Steve et Emmanuel, eux, sont bons derniers, mais pas inquiets. Ils ont l'immunité. La confiance est revenue et ils osent maintenant demander de l'aide plus facilement. Ils n'ont pas le droit de payer pour se déplacer, mais qu'à ça ne tienne, un jeune homme décide de leur offrir le ticket de bus. Top, hein, merci. Il était cool, le mec. Il a payé pour nous. Non. Sérieux? Ouais. Tout semble aller pour le mieux. L'ambiance est bonne et l'heure de la fin de course approche. Pourtant, c'est maintenant que Steve et Emmanuel vont commettre une grosse erreur stratégique. Ils décident de descendre du bus avant l'arrêt de la course. Et là, au bord de l'autoroute, les maisons ne sont pas nombreuses. Emmanuel. Mais non, mais on peut... Tu regardes. Non, mais ne fais pas une connerie. Ouais. Parce que lui, il rentre dans la ville. Et c'est le seul endroit où on aurait trouvé un endroit pour dormir.
Alors que là, il n'y a que l'autoroute pendant encore. C'est arrêté. Je sais pas trop pourquoi on s'est arrêté là d'ailleurs, parce que l'idée c'était d'aller à Toko pour dormir. Là, on a merdé. Ouais. On a merdé. Il est 18h59, donc normalement, dans une minute, on n'a plus le droit de faire de stop. Ça vibre. 7h. Stop. It's finished for us. We must stop and go down. OK? Bon, bah, ça y est, la nuit va tomber. Les concurrents vont maintenant s'arrêter. La course est stoppée. C'est Paul et Louis hein, qui sont, en fait, ils se sont bien débrouillés. Ils ont pris le bon bus et puis maintenant, ils ont pris pas mal d'avance. Ils ne se sont pas arrêtés devant Carolina et Stéphane, mais c'est normal, la course démarre, ça y est. Maintenant, c'est parti. On est toujours sans nouvelles de Dylan et Ernest. Visiblement, ils sont loin. Sinon, vous l'avez remarqué, la compétition a très clairement commencé entre tous. Maintenant, ils vont chercher un endroit pour dormir. Et lendemain matin, repartir dès le lever du soleil. Vas-y, là-bas. Je crois que ça aurait été difficile encore de dormir par terre dans le froid. Et on est allé au petit village à côté avec deux dames qui étaient en train de faire le jardin. On s'est arrêté et on leur a expliqué ce qu'on voulait. Et elles ont compris. We are very fatigués. Okay. Oh, thank you. Merci beaucoup, madame. On va voir, on veut dire qu'on veut prendre une douche, se laver un peu parce qu'on pue. Hein. Bonjour, monsieur. Merci, madame. Bonjour. Madame. Gentil, monsieur. Gentil, yeah. We need. Yes, ouais, parce que. Bah, on commence à puer. Hein. Certains candidats ont déjà trouvé un hébergement, mais à l'arrière de la course, les recherches s'annoncent difficiles, notamment pour Ernest et Odile. Là, tu tombes dans la flotte, c'est sûr et certain. Il doit y avoir un autre chemin pour passer. Il y a des serpents ? Non, il y a de l'eau. Ah. Ça doit être humide. Ah, tu dors ici, tu dois être mangé par les moustiques. Moi, je suis allé tout de suite. Hein. Miette. Ok, merci. Ça fait déjà le deuxième refus, là. Et comme il y a trois maisons et demie ici, c'est mal parti. Hein. Sinon, on va essayer de trouver le chemin pour aller dans la maison rouge, là-bas. Dans la maison hantée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont fermés, les maisons. Alors, si tu casses le carreau, tu vois, c'est une infraction, quoi. Ouais. Si la porte, elle est ouverte, tu t'en fous, mais... Ça existe infraction aussi. Ouais. C'est ça, l'aventure. T'en as voulu de l'aventure. Je vais t'en donner, moi, de l'aventure. Ouais. Tu vas voir. Ouais. On était là, tout à l'heure. On est juste là, en fait. Donc, on a tout ça. Enfer, mais c'est énorme. Tout ça. En une journée demain. Même très loin du but, pour Pascal et Christophe aussi, il faut penser à trouver un abri. La galère. Pour les deux amis, la fatigue est immense. Le moral au plus bas. Ils n'ont rien mangé depuis deux jours. Les reproches éclatent. Ouais, faut qu'on se bouge depuis tous les deux, quoi. Tu vois ? Je verrai pas ce que je ferai de plus. Hein, les voitures, elles iront pas plus vite si je parle de l'anglais. Ça veut dire, ils s'arrêtent pas plus que ça. Voilà. Après, une cabane, qu'on soit 50 à parler ou une personne, je sais pas où est le rapport non plus. Maintenant, si je parlais anglais, ça serait bien. Je parle pas l'anglais. Vous voyez ? Ça sert à rien de rester là d'une manière. Donc on a décidé de bouger, donc on va essayer de trouver un endroit où on va dormir dehors, on va pas manger. Ouais, ça fait partie de l'aventure, donc on va trouver un endroit. On va se rattraper demain. Je pense avoir un petit peu de déprime là. J'ai pas envie de me laisser abattre, mais c'est pas, je connais pas ça donc. Voilà. Ça pourrait être évident, hein. Non, c'est clair. Non. Pour Nancy et Nicolas aussi, la soirée s'annonce difficile. Ok, merci. Bon, laisse chanteler, c'est tous des gros cons. J'ai même plus envie de demander, tu vois, c'est tous des abrutis, on se casse et puis c'est bien, on va dormir à l'arrêt de bus. Putain, mais les gros cons de première, quoi. Oh. Sérieux, j'ai jamais vu ça. Bon, on va faire la dernière maison. Putain, bah, vive la Russie, quoi. Bon, merci quand même. Un plus, mémé. Quel pays t'as plus détesté dans ta vie? La Russie, c'est clair et net. Mais arrête, tu dis ça sous les nerfs. Bah attends, mais t'as vu les gros cons, quoi. Là, tu te fous de notre gueule. Nicolas, c'est un gros boudeur. Quand il en a marre, il en a marre. Donc j'ai dû lui dire que tout allait bien, que ça allait aller, que c'était le jeu et qu'on allait trouver quelque chose. Et puis, je lui ai dit, même si on doit dormir dans l'arrêt de bus, c'est pas la fin du monde. Hein. Allez. On s'en fout, on a dormi sur la plage. Attends, mais qu'est-ce qu'on fasse ici, quoi? En Corse, on a dormi sur la plage. Tu te rappelles?
On n'avait pas de sous pour payer le camping, on a dormi sur la plage. Le seul sac qu'on a, on va se le faire prendre. Écoute-moi. Oui, bah c'est bon, mais attends, je préfère être sur la plage, t'es ici. Et bah là, t'es en Russie, tu vas dormir à l'arrêt de bus. Bah, t'as raison, et puis attraper une congestion. Oui, il fera pas froid, il fait pas froid. Si ma grand-mère me voit, elle va m'engueuler. Tu vas aller où? Dis-moi où tu vas aller. J'en sais rien. Bah tu peux pas. On a tout fait, y'a rien. Voilà. C'est ce quartier de beauf, quoi. Mais t'es dans le fin fond de la Russie. Ah, bah j'ai bien vu. Ouais, bien t'es pas en France, hein, écoute. C'est que là, on est tombé quand même dans un endroit où je sais pas s'ils ont déjà vu des Européens, là, je crois. Je crois que c'est pire qu'hier. Hein. Non loin de là, Stéphane et Carolina, eux, commencent leur recherche dans une cité ouvrière. Il y a un landau. Caro, viens, il y a quelqu'un. Les guettes. Il y a des guettes. Il veut bouger avec toi, mon cœur. Ça se corse. Vous êtes vraiment pas sympa, monsieur. C'est des bâtards. Ah ouais, je sais même pas s'ils parlent russe, en fait. On a pas les bonbons, hein. Tiens, donne. Attends, Caro, il faut donner les bonbons, il faut distribuer aux bonnes personnes. La route est longue. Il y a 45 jours à tenir, alors c'est pas que 10 bonbons, on va pas aller loin. Bah. Attends, qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore dans mon sac. Tiens. On a rencontré des enfants, donc c'était super touchant. Donc on leur a donné des petits jouets et tout. Et il y a une petite fille qui est venue m'apporter une fleur et tout que j'ai dans les cheveux. Et t'as Krasivaya. C'est trop chou. Krasivaya. Spasiva. J'ai eu une petite larme à l'œil. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je me suis dit, on a encore tellement de personnes comme ça à découvrir, des petits-enfants, des trucs, à donner des choses, même si c'est pas grand-chose. Ben, je me dis, ça arrivera jamais deux fois dans ma vie. Quoi. Et si les gens étaient à ma place, mais je crois qu'ils auraient versé déjà des sanglots, parce que ça, on voit pas tous les jours. Voilà. On essaye par là-bas? Ouais. Obrigada. Oh, c'est pas si va. Heureusement, on a trouvé où dormir. En plus, c'est un endroit super grand avec des gens chaleureux. Après, ils m'ont dit qu'est-ce que je voulais manger. Ils ont nettoyé un peu la maison pour nous faire de la place, pour qu'on se sente bien. Et la grande surprise au moment où on se dit c'est le moment de leur offrir quelque chose pour leur remercier de nous avoir hébergés. C'est toi qui as tout? Ouais. J'ai laissé dans le camion un grand sac de maquillage avec des produits, avec des désinfectants, médicaments, ce qu'on pouvait... Enfin, des choses qu'on avait vraiment besoin, quoi. Et on n'a plus... on n'a rien. Non, putain, Daisy. Un truc après l'autre. Tu peux pas faire ça, Daisy. Tu l'as pas, toi. Mais c'est pas moi de l'avoir, Daisy. J'essaie de... Voilà, je me dis, bon, de me dire que c'est pas grave et de faire de sorte à ce que la tension ne monte pas trop, parce qu'on est super tendu. Moi, je m'en veux à moi-même. C'est même pas d'avoir oublié... C'est le fait de pas pouvoir offrir, de pas laisser quelque chose en passant. Ça me... Ils nous acceptent chez eux, ils nous donnent à manger, et moi, on n'a rien. On n'a rien pour laisser, quoi. Dobrý den. Привет. Peut-être... Ah, tu sais pas lire. OK. So sleeping and eating. Après l'autostop, Aude et Alexandra entrent en contact pour la première fois avec la population locale, et les deux filles ont la chance du débutant. Même les animaux ont envie de les aider. Zabonie. C'est le nom du chien? Je crois, ouais. Ma chérie doit être contente, elle sent la vodka planer. Allez, viens, on avance. C'est pas ce qu'elle me dit. Hello. How do you speak English? Merci. Bah oui, t'as rien. Ça, c'est de la vodka? Non, c'est de l'alcool à 90. Waouh. Tu bois jamais d'alcool, je vais être complètement cuite, là. Waouh. Moi, j'en bois, mais là, quand même. Ils n'arrêtent pas de vouloir me faire boire. Ils me disent tradition russe.
Moi, c'est pas la tradition pour moi, je bois pas d'alcool. Caput, Sergueï. Vodka, caput, Sergueï. En Russie, quand les gens ouvrent leurs portes, c'est aussi un peu de leur vie qu'ils offrent. Et pour les équipes, même avec peu de confort, vient le réconfort. Ce qu'on a transpiré aujourd'hui. Lassés des refus, Carolina et Stéphane ont décidé de tenter leur chance à l'hôtel, mais encore faut-il réussir à négocier. On nettoie la chambre. Cleaning or... Cleaning the room or... Tomorrow? 7? 6 or 7? Stop! Perfect! Ah, magnifique, Romain. C'est magnifique, de pierre, on est gâtés. Hein. Ouais. Bonne petite crêpe avec du lait concentré sucré. Bon, bah, bon appétit, mon cœur. Bon appétit. Ça va nous remettre en forme pour demain. Je pense que demain, on arrivera à Moscou, ben, on mangera du caviar quand même. Caviar vodka pour demain soir. Il est 21h. La nuit tombe et il faut absolument trouver refuge pour la nuit. Steve et Emmanuel se font enfin conduire dans une maison. Ça, c'est, il y a des choses sur le lit, mais je ne sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, il y a des déchets partout. Et il y a des bouteilles sur le lit, d'accord. Il y a des animaux partout là. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Pas faire les difficiles non plus, on est au chaud au moins. Même si on dort pas, on est au chaud. Il fait chaud ici. Ouais, ça va être égal de dormir là. Ce qu'il y a, c'est de prendre des bestioles, des saloperies. Moi je m'en fous, parce que franchement, entre avoir froid et choper des bêtes, les bêtes on les tue, on s'en fout. Ouh, il y a des seringues. Quoi? Il y a des seringues. Alors là, on sait pas quoi faire parce que. C'est monstrueusement sale. On va attraper des tout. On est mieux que dehors, en fait. Mais tu vas attraper quoi là? On va faire quoi? Tu dors là-dedans, on va se gratter pendant une semaine. Et le reste avec. Tu as vu qu'elle est cassée? Moi, c'est gentil, c'est vraiment gentil de sa part, c'est adorable. Mais ouais, t'as vu dans quel état? Je pense pas que tu as bien ouvert les yeux. Et c'était, en plus, c'était éteint. Alors imagine, il s'allume la lumière. À l'arrière de la course, Pascal et Christophe se dirigent vers la forêt et s'apprêtent à passer la nuit dehors. Mais tu sais pas où tu vas là, on s'éloigne. Putain, j'ai marché dans la merde, tu vois. Ah, je suis sûr qu'il y a des rats. Pascal, ayant vu que ça n'allait pas du tout, et ben, il a décidé de faire quelque chose. Et ça fait plaisir parce que j'avais l'impression de donner le plus de moi et je sentais Pascal absent. Et en fait, là, il a montré de quoi il était capable, son côté rural et son côté débrouillard. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, ben ouais, ça permet de nous souder, quoi. Mais tu verras, c'est beau, une nuit à la belle étoile. Ça va, il fait pas froid, c'est pas possible. Par rapport à hier, là, je suis carrément mieux parce que je suis carrément à l'aise. J'ai beau être sur la terre ferme. C'est peut-être crade, mais bon, on s'en fout, c'est la nature, c'est comme ça. Je n'avais pas les cheveux crades au moins déjà. C'est déjà ça. Je n'avais pas les cheveux sales, ce sera déjà ça. Quelque part dans notre malheur, et ben, le bon Dieu est avec nous. Il s'avère qu'on n'est pas très loin de l'autoroute. À l'aurore, on sera prêt pour attaquer le parcours qui est. On a regardé encore tout à l'heure, ça va pas être de la tarte. Quoi. Ouais. De toute manière, il ne faut pas qu'on soit éliminé au premier tour, c'est le principal. Non, mais c'est le premier tour, on va aller le plus loin possible. Et c'est vrai que là, on est mal barré, quand on est sur la sellette. Et voilà, on va tout donner, vraiment tout donner. Rien que pour arriver au moins jusqu'au Moscou. On est tombé sur une famille, mais fabuleuse. On a voulu aussi faire partager ce qu'on aime, nous. Et je pense que ça leur a fait plaisir de danser, de sortir un peu de leur quotidien. On a bien rigolé. Daisy ensuite a voulu faire un spectacle de Shakira. Et ouais, c'était marrant parce qu'elle était à fond dedans. Je me sens bien, vraiment très bien. C'est comme si j'étais un peu chez moi. Je me sens pas du tout étrangère ou ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, vraiment. Bonne nuit, девочки. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tout de
suite dans Pékin Express, c'est la reprise de la course et de la compétition entre les équipes. Pour le stop, chacun sa stratégie. En ce moment, la tenue sexy, c'est notre technique. Mais en Russie, sur le bord de la route, le danger est partout. Il y a un flingue. Attention, attention, Caro, il a un flingue. Les difficultés s'accumulent. Tous n'ont qu'un objectif, rallier Moscou au plus vite. Les équipes le savent, les derniers à franchir la ligne d'arrivée seront éliminés. C'est tout de suite dans Pékin Express. Paris, 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 Paris. Les équipes de candidats ont déjà parcouru plus de 500 km en Russie. C'est le dernier jour de cette première étape. Ils doivent absolument rallier Moscou. Les derniers sur la place rouge seront éliminés. Pour Christophe et Pascal, c'est la gelée du matin qui fait office de réveil. Je me suis brossé les dents. Tu t'es brossé les dents? Pas encore. Moi, j'ai mis ma crème. Comme d'habitude. Je me suis pas fait piquer par les moustiques, mais j'ai super mal dormi. J'ai eu très, très froid. Même si Pascal, t'as parlé de faire le feu, j'ai eu très froid. Mais j'ai pas envie de passer notre vidéo, alors, ça, c'est clair. Je pense que c'est la première et la dernière. Là. C'est pas possible, c'est impossible. Là, il faut retrouver une machine à laver, absolument. Les autres candidats ont eu la chance de dormir dans une maison. Après une bonne nuit, ils prennent congé de leurs hôtes. Il est 7h. La course reprend. Les équipes doivent se rendre à Moscou. Et il leur reste en moyenne 600 km à parcourir. Odile et Ernest partent le ventre vide, mais il leur en faut plus pour les démotiver. On est partis le matin, on avait un thé dans le ventre avec quelques gâteaux. On s'est dit aujourd'hui, il faut y aller à fond, il faut absolument qu'on ne se fasse pas éliminer. À peine réveillé, Ernest lève le pouce et ça paye. Depuis que je cherche une voiture allemande, il y en a deux qui sont arrivés. Alors je me suis dit, oh là là, le rêve. Des toutes neuves, des bien grosses, des bien luxueuses comme j'aime. On a eu tellement d'échecs, ça nous change quoi. Oh là là, le mec, il habite sur la place rouge. Il habite sur la place rouge. Juste à l'entrée, tu vas jouer. C'est pas du cul ça, non. Mais ça c'est une étoile, ça c'est un signe, ça c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui nous attendait, quoi, qui nous fallait. Ernest et Odile partent à la conquête de la place rouge. Ils ne sont pas les premiers et ont encore beaucoup d'équipes à remonter. Steve et Manuel, quant à eux, sont en dernière position, mais ils sont protégés par l'immunité. Ils ont dû se résoudre à dormir dans le taudis de la veille. La nuit a été courte et difficile. Je crois que je viens de passer la nuit la plus sombre de mon existence. On a eu vraiment super froid, on n'avait pas à se réchauffer. Pour conclure, au petit matin, j'ai failli me faire uriner dessus par un chat. Le matelas flottait sur une mare de pisse. C'est dur. Tu crois que le pire des Cosaques n'aurait pas passé la nuit ici? C'était sympa, mais on ne reviendra pas ici, je crois. Ouais, mais écoute, c'était on ferme quand même la porte. On ferme le couvercle. J'aurais même voir Miss Saint-Tropez dormir ici. Allez, Saint-Tropez, ouais, ici, non. Là, c'était pas possible. Contrairement à Steve et Emmanuel, Miss Saint-Tropez, alias Carolina et son mari Stéphane, ont eux passé une nuit paisible à l'hôtel. Une nuit gratuite, bien sûr. À peine levé, il décide de reprendre l'autostop, mais la méthode de Carolina pour obliger les voitures à s'arrêter semble énerver les automobilistes. Attention, Caro, attention, attention. C'est mon Ghost City, là. Carolina veut à tout prix arrêter une voiture. Elle se place au milieu de la route, une voiture ralentie, mais elle ne voit pas tout de suite l'incroyable danger se profiler. Il s'arrête. Il a un flingue. Attention, Caro, il a un flingue. On n'a pas su s'il voulait vraiment plaisanter ou quoi. Il nous a sorti son pistolet au bord de la route en s'arrêtant à 20 mètres de nous. Il nous l'a sorti de la vitre. Bon, ça m'était quand même assez étonnant comme situation. Tu vois pourquoi je t'ai dit aussi où il faut dormir, il faut faire gaffe. Ah, de toute façon, tu peux tomber sur des barjots, hein. Il s'arrête. Une voiture s'arrête. Pour Carolina et Stéphane, c'est un soulagement, d'autant plus qu'elle va les conduire à bon port. En voiture. 10 people running autostop and the first arrived in Moscow, they win. So, run. Contrairement à Carolina et Stéphane, Fatih et Mehdi sont à pied. Et en Russie, sur le bord de la route, il est toujours possible de trouver quelque chose à grignoter. Là, Mehdi, il va nous offrir un café. Ah oui, deux cafés alors. Surtout quand les gens font preuve de générosité. Comment on dit merci déjà? Pas si bas. Pas si bas. Combien? Un café? Combien?
12, ça te fera du bien. Ouais, 12, ça va. Les candidats de Pékin Express ont 35 roubles par jour et par personne. Un café à la machine coûte 12 roubles. Française. Allez, prends en photo. Paris, je покажу. Bien, Paris. Every day, 30 roubles only. Non monnaie. Putain, ils vont nous donner des sous, j'hallucine. Non. Thank you. Russian people, good. Yeah. Oh putain, c'est top ça. Ils nous ont filé 100 roubles. Magique. On va mieux s'arrêter souvent dans la station. Les gens ont compris qu'on n'avait pas d'argent. C'est dur à faire ça, je veux dire, donner de l'argent comme ça, on n'a rien demandé. Ils ont compris quoi. Je trouve que c'est super. Ça fait. Voilà. Je suis ému. Il reste encore de nombreux kilomètres à parcourir. Si en tête de la course les kilomètres défilent, à l'arrière, il est plus difficile d'arrêter les voitures. Pas mal. T'as un PD qui peut passer là. Alors que Nina et Daisy mettent leurs atouts en avant pour arrêter les voitures. En ce moment, la tenue sexy, c'est notre technique. Les filles se font doubler par Ernest et Odile qui remontent à toute allure. Oh. Ah, ça klaxonne, mais ça s'arrête pas. Yeah, on est là. On était contents de voir aussi les candidats qui étaient sur le bord de la route en train de galérer comme nous on l'avait fait la veille. Ça serait le rêve quoi d'être le premier quoi. Parce qu'on est parti les derniers, arrivé le premier, mais les mecs ils vont être fous quoi. On va s'envoler vers la victoire, mon ami, parce que il est énergique. Il va peut-être pas vite, mais il double tous les camions. Sortir di questo posto qui. Parce que non è buono per questo. Allez. Et on file. Mucho, mucho, gracias. Bueno, hombre, vámonos. On est là, et encore tout ça à faire. Et voilà, moi j'ai trouvé l'endroit où je vais faire la sieste. Les équipes sont à présent toutes en voiture. Elles avalent les kilomètres sur la M30, la principale autoroute de la Russie occidentale. Ah, y a un ours. Y a un ours. Ah, c'est dément. Un ours, quoi, en Russie. Mais dans le... même moi, ça l'est pas. J'en ai, moi. Les bois. J'en suis sûr. Bah, attends, la Sibérie, c'est plein, là. Plein de passion comme ça. Oh, bah, arrête, ça me fait baliser, maintenant. J'ai plus trop envie d'aller dans les bois. Mais il s'approche pas de l'homme. Il s'approche pas de l'homme. Ah, bon. Ah, bon. Les premières équipes passent la Volga. Avec ses 3700 km, c'est le plus long fleuve d'Europe. Les équipes vont suivre son cours pendant plusieurs jours, mais aujourd'hui, il faut atteindre Moscou. Il est presque 14h. Toutes les équipes sont en mouvement, mais pour deux d'entre elles, les écarts sont si faibles qu'elles occupent la même position sur la carte. Elles ne le savent pas, mais ce sont les équipes de Odé Alexandra et de Fatih et Mehdi. Salut les gars! C'est dégueulasse ce qu'on fait. Mais non, mais ils vont faire la même chose dans 300 mètres quand ça va être notre tour. Donne-moi le papier. Oh mon ami. Montre-lui déjà le papier. Dai. Allez monte, c'est impeccable. Спасибо. Dai Moscou. Moscou et Venise. Allez. Mais Moscou. Давай Moscou. Pare-brise il est cassé mon ami. Putain. Déjà son volant il est attaché avec des lianes. Je te dis la vérité Fatih, sous-estimez personne. Hein. On a vu les deux nouvelles. 2h25 là. Là, je suis content, on les a dépassés, voilà. Alex ? Ouais ? On vient de se faire doubler. Je sais pas qui c'était, ils étaient en camion. Bon, il faut que je trouve Sergueï, il faut qu'il reparte, là. Elle va lui dire qu'on est pressé. Ouais, il arrive en courant. C'est vrai ? Le pauvre, putain. Ah, tu vas te manier ! On s'est fait doubler à cause de toi, bon. Le principal, c'est qu'on soit passé déjà devant. C'est une bonne chose. C'est bien. On sait qu'on n'est pas les derniers. Exactement. Il y a du monde derrière nous maintenant. Il y a encore du monde, voilà, c'est voilà. Ça. Vous étiez quand même devant. Hein. Ouais, mais Jonana, c'est peut-être plus facile. Je suis là. Je suis
celui-là. Il faut tracer celui-là. Ouais, Sergei. Ils sont repassés juste devant nous. Bon, ils avaient doublé, ils nous ont doublé. On les a redoublés. Mais alors là, ils sont juste derrière, donc maintenant ça joue à rien du tout. Hein. C'est eux ? Ouais, c'est eux. Allez, sous-marin. Allez, ça c'est du conducteur, je te le dis, moi. On a le meilleur. Ah ouais, on a le meilleur, on lâche plus juste un cil. Aude et Alexandra ont dépassé une équipe. Elles sont rassurées, elles savent maintenant qu'elles ne sont plus les dernières de la course. Mais à l'arrière aussi, d'autres camions sont au coude à coude. On peut les doubler là. C'est qui? Je sais pas. Mais ils sont fous, hein. Voilà. On va les voir. Ah, genre, ils ont baissé la vie. C'est qui? C'est les vieux. C'est un truc de dingue, ils nous ont rattrapés. Non. Putain, j'ai devenu folle, je te jure. La pression de la course augmente. Les filles s'inquiètent à bord de leur camion pendant que les premières équipes arrivent déjà dans les faubourgs de Moscou. Ça, c'est beau, là. Regarde. Oh là là. C'est beau, hein. Il faut combien de temps, à peu près, là, pour y arriver? 10 minutes, un quart d'heure? Ça dépend des trafics. C'est pas mal, quand même, Moscou. Ouais, c'est mieux que Saint-Pétersbourg. Ah, ouais. Les gens, ils vont être nerveux. Ah, ouais. Oh, bah, c'est une méga ville, hein. Bienvenue à Moscou, je suis sur la place Rouge, qui est le terme de cette première étape du Pékin Express. Je vais accueillir les candidats qui vont passer par la porte de la résurrection, qui vont devoir traverser toute la place Rouge et venir me rejoindre devant la cathédrale Sainte-Basile. La première équipe va remporter une amulette d'une valeur de 3000 euros et la dernière équipe, bien sûr, sera éliminée. Comme dans toutes les grandes villes, pour atteindre le centre, on peut tomber dans les bouchons. Odile et Ernest sont les premiers à en faire les frais. 5 km ? Ouais. Dans un embouteillage comme ça, c'est pas mal quand même. Bon. Oh là, le stress, j'étais pas stressé, mais là, c'est bon, c'est parti. Cul à cul comme ça, franchement, mon cœur. Bon, mais je le sentais, je croyais qu'il allait me casser la cage thoracique. Sous les deux tours, on passe à pied. Alors, on passe à pied et là, c'est la place Rouge, c'est pas trop mal. Ok. On va à pied. It is faster to go by foot. It will take you 15 to 20 minutes. Allez, go. Ah, je suis fatiguée, moi. Moi aussi, je suis fatiguée. Bon, ouais. On a commencé à courir, j'ai commencé à traîner Odile et puis là, on est arrivé. Oh, une grande place, tout ça, avec la cathédrale juste en face et tout ça, quoi, monumental. Et puis, ça nous a coupé le souffle, quoi. Oh, putain. Oh. Allez. Ah, j'ai tombé. Là, c'est pas grave, tu m'envoies là-bas. Vous êtes tellement coupé les souffles que j'étais obligé de traîner Odile, quoi. Par la main, jusqu'à, je sais pas combien, 500 mètres, 600 mètres, mais elle en pouvait plus, quoi. On est passé au milieu de la porte de la résurrection et puis on est arrivé avec beaucoup d'émotions sur la place Rouge. C'était assez impressionnant, c'est très émouvant, il faisait beau en plus, voilà. C'est magnifique. Tu vois le tombeau de Lénine, là ? Ici à droite. Les deux pieds, symboliquement là. Comment ça va? Reprenez vos esprits. Ça va, Ernest? À ce point là. Bon. Est-ce que vous avez vu des concurrents ou vous êtes fait doubler? Vous avez doublé? On a vu plein de concurrents en bassin. C'était génial. Vous savez combien vous êtes maintenant? Moi, je dis number one. Vous êtes premier. Bravo. Ouais, une larme, franchement, ouais, une larme. Ouais.
mais je croyais pas qu'on était les premiers. Eh ouais, c'est ça, c'est l'émotion. Hein. Parce que j'y croyais pas. On me l'aurait dit, j'aurais jamais cru ça, quoi. Bravo, bravo, bravo. Vraiment, hein. J'imaginais pas une seule seconde que vous alliez réussir à être premier. Mais voilà, qu'il faut jamais parler tant qu'une épreuve n'est pas finie. Comment il s'appelle, votre chauffeur qui vous Maxime. A ramené Maxime. Bah, lui, vous lui devez une fière chandelle. Droit devant, en rouge, là-bas. Tu le vois? Allô, caviar! Allô, Moscou! Ça va? Oui, très bien. Vous avez l'air fatigué, mais bien. On espère être bien. Vous êtes deuxième. D'accord. Super. À 10 minutes. On a pris un peu de retard ce matin. On aurait aimé être là les premiers, quand même. Pour 10 minutes, surtout, c'est... Sera le premier. Pour 10 minutes, c'est dur. On est là. Ah, c'est bien. Voilà, on continue quand même, donc c'est le plus important. Arrivé en deuxième place, il y en a beaucoup qui seraient contents, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la première place. Donc, c'est vrai que je suis quand même un petit peu frustré, un petit peu déçu. Il faut vraiment aller le plus vite possible, parce qu'à la fin de la journée, ça coûte cher. Il est 17h. La course est à présent gelée, toutes les équipes sont stoppées, leur position est relevée. La balise a sonné, ce qui veut dire que la course est terminée. Je ne sais pas combien de kilomètres on est, je pense qu'on est à 200 kilomètres. On ne devrait pas être les dernières, moi je pense qu'on en a vu d'autres, qu'on a doublé. Les candidats ne connaissent donc pas leur classement. L'équipe la plus éloignée de l'arrivée sera éliminée. C'est la fin de la première étape de Pékin Express. Après un parcours de plus de 1500 km qui a conduit les équipes de Paris à Moscou en 3 jours seulement. Les équipes sont maintenant toutes arrivées à Moscou. C'est le moment de leur dévoiler le classement de la première étape de Pékin Express. Bon, tout d'abord, je voudrais vous féliciter. Franchement, vous m'avez bluffé. Vous avez couru plus ou moins 30 heures entre les premiers et les derniers. Je vais tout de suite vous donner les derniers. Parce que c'est Steve et Emmanuel qui ont fini dernier. Mais comme ils ont de sa rouge, symbole de leur immunité, ils ne sont pas éliminés. On s'est ménagé. Ouais. Une journée, on s'est reposé, on a avancé doucement. On a enfin mangé. Vous êtes donc dernier. Vous l'avez dit, hein, vous avez un peu lâché la pression. Vous avez raison. Vous aviez le droit. Vous avez remporté l'épreuve. Vous allez donc découvrir qui a fini premier et qui a fini dernier. Donc, l'équipe va rentrer demain en France. Sont arrivés les premiers à Moscou. Ils le savent déjà. Odile et Ernest, venez me voir. Alors, je vais vous remettre cette amulette qui symbolise donc votre victoire et un gain de 3000 euros. Je vous la remets autour du cou. Ah oui, parce que c'est une journée déjà. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ben de rien, bravo. En arrivant premier à Moscou, Ernest et Odile ont non seulement gagné la première étape de Pékin Express, mais aussi la première amulette de la course. Ce porte-bonheur d'une valeur de 3000 euros est remis aux vainqueurs de chaque étape. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes, et donc, plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale à Pékin. Au total, en jeu dans Pékin Express, la somme de 50 000 euros. Ernest, reprenez vos places. D'accord. Merci. Bravo encore pour cette victoire. Sont arrivés deuxième, Carolina et Stéphane, bravo. Troisième, Patrick et Christophe, bravo. Et Fatimé, quatrième. Et Odé-Alexandra, on finit cinquième. C'est Paul et Louis qui ont fini en sixième position. En septième position, c'est Nina et Daisy. Il reste donc deux équipes. Donc c'est Nicolas et Pascal et Christophe. Ainsi Nicolas, vous restez en course. Vous finissez avant-dernier. Pascal et Christophe, ça s'est joué à peu de choses. Forcément, vous connaissez les règles. Il faut que quelqu'un finisse dernier. Je voudrais quand même que vous me rejoigniez. Approchez-vous. Comment vous ressentez tout ça?
On a vécu en 3 jours des choses merveilleuses. Voilà quoi, donc on est un peu déçus. Mais merveilleux, ça vient dur parfois, c'est ça? Pour ma part, on a vécu des choses sympathiques et des choses dramatiques. Dramatiques. Bravo, je vais vous demander de mettre votre balise. Voilà, donc vous rentrez demain en France. Merci d'avoir concouru. Merci. Avec autant de fair play, autant d'élégance. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain. Ça va être un peu plus dur encore, parce qu'on s'éloigne des grandes villes. Et vous allez voir, ça va changer complètement. Parce que lorsqu'on s'enfonce en Russie, tout change. Bonne nuit, essayez de récupérer. Et puis à demain. C'est la fin du classement. Tous les candidats sont conduits au campement où ils passeront la nuit sous la tente. Demain pour eux, la course reprend. Mais pour Pascal et Christophe, Pékin Express s'arrête ce soir à Moscou. On a bien galéré déjà la première étape. Dans cette aventure, on a retrouvé l'amitié qu'on avait perdue, on va dire, plus ou moins. Une amitié, on l'a beaucoup plus consolidée. Pour moi, c'était un très très bon moment. 3 jours de galère, mais 3 jours qui ont été vraiment super en compagnie de mon pote Paul. Un peu triste quand même. Ouais. Un peu triste quand même. Moi, je crois que mes enfants, ils vont être fiers de moi, ça c'est certain. Je pense que les filles à Ernest aussi, elles vont être fières de lui et en même temps de nous. Parce que, en fait, je dis de moi, de lui, mais c'est aussi de nous. Ils vont être fiers de dire « Hey, c'est mon père, hey, c'est mon père !» Mal partir comme ça, dès le départ, et arriver après numéro 1 sur la place rouge, ouais, c'est grand, quoi. C'est grand et c'est fort. La semaine prochaine, dans Pékin Express, 2e étape pour les équipes, Moscou, Kazan. C'est de la course. On trace. Allez, à l'arrache. C'était la vraie course poursuite. Et en plus du stop, il faudra à nouveau trouver où dormir. Et regarde la maison. Regarde, t'as vu l'entrée? Il y a une petite chambre là-bas. Ah oui. Oh là là. Oh, bon. Elle m'a dit que je vais dormir ici. Elle est malade ou quoi? Elle se fout de ma gueule quoi. La semaine prochaine, les équipes craquent sous la pression. J'ai fondu. C'est froid quand même. Heureusement que j'ai acheté un bonnet de nuit parce que sinon. Il faisait noir. C'est pas un fait que je suis parano, mais. On se casse d'ici. Et quelqu'un là-dedans? Les candidats n'ont que 3 jours pour parcourir 900 km. Il y a un radar, il s'est fait choper. Non! Yes! On avance droit devant. Pour arriver au but, tous les moyens sont bons. On dirait un caniche avec des nénés. La compétition prend le dessus et pour certains, la guerre est déclarée. C'est bouffon. Ouais. J'en aurais beaucoup à t'apprendre. Hein. Le problème, c'est que t'es encore trop jeune dans ta tête. C'est les mecs qui parlent le plus qui en font le moins. Fais chier, Edmond Klein, ils nous emmènent autre part, c'est d'abord utile, putain. Vaut mieux qu'on suive la carte puisqu'ils nous disent, ils sont tous... Pour les 9 équipes encore en course, un seul objectif, rejoindre Kazan. Sont arrivés en première position. La semaine prochaine, ils prennent le départ de la 2e étape de Pékin Express. Les équipes s'enfoncent encore plus en Russie. Dans 9000 km, après la Sibérie, la Mongolie, la muraille de Chine, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Pékin. C'est bientôt dans Pékin Express. Il arrivera ce qu'il arrivera. Hasta la vista!